Istanbul fait partie de ces villes mythiques que tout voyageur rêve de visiter dans sa vie. À la confluence de l'Occident et de l'Orient, celle qui fut la Byzance des Grecs, la Constantinople des Romains, puis la capitale des sultans de l'Empire ottoman, est une mégalopole cosmopolite, fascinante. C'est d'ailleurs la seule ville du monde qui peut se targuer d'être sur deux continents, avec un pied en Europe et l'autre en Asie. De part et d'autre du Bosphore, visiter Istanbul, c'est s'aventurer dans un fascinant voyage, entre les vestiges de son glorieux passé et l'urbanisme sauvage qui la dévore. Notre première visite sera pour Sainte-Sophie, le joyau d'Istanbul, un monument emblématique. Cette basilique de la chrétienté transformée en mosquée, puis en musée, puis à nouveau en mosquée est une vraie merveille à découvrir. Son histoire compliquée résume parfaitement les tiraillements de la Turquie entre l'Occident et l'Orient, le christianisme et l'islam, la religion et la laïcité. C'est aussi un prodige d'architecture, avec son impressionnante coupole de 32 mètres de diamètre qui s'élève à 56 mètres de hauteur. Pendant 10 siècles, de 537 jusqu'à la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, elle fut le plus grand monument religieux de la chrétienté, avant d'être transformé en mosquée par le sultan Mehmed II. En 1934, le leader laïque Mustafa Kemal Atatürk en fit un musée. Puis en 2020, le président Erdogan ordonne à nouveau sa reconversion en mosquée. Quelques traces du passé chrétien de Sainte-Sophie sont encore visibles aujourd'hui. Dans le vestibule, une mosaïque de la fin du Xe siècle représente la Vierge assise, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Juste après, c'est l'entrée de la mosquée où il faut laisser ses chaussures. Il y a d'autres mosaïques chrétiennes dans la nef au premier étage.
La Turquie, c'est aussi de nombreuses traditions, et celles en particulier, celles qui existent autour des mariages. Les Turcs sont profondément attachés aux coutumes et les transmettent à travers les générations. Il existe différentes coutumes et façons de faire pendant un mariage. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'il s'agit davantage d'une affaire de famille que d'une affaire personnelle. Mais les temps changent. Si on vous demande que voir à Istanbul, bien sûr un magnifique mariage, au bord du Bosphore, dans une maison de plaisance construite à l'époque des Pachas. Un lieu somptueux.
Аплодисменты, дорогие друзья! 22 мая 2022 года мы с вами встречаем новоиспеченную пару учеников.